Dire que la jeunesse est l'avenir de la République démocratique du Congo, c'est bien. Faire de cette jeunesse cet avenir tant prêché, c'est aussi très bien. Mais investir dans la jeunesse pour qu'elle soit cet avenir-là devrait être la priorité des priorités. C'est connu de tous que les guerres à répétition en République démocratique du Congo, et spécifiquement dans sa partie est, ont menacé les vies des enfants et jeunes, déchiré les familles, spolié les espaces des jeux, détruit les écoles, en bref, ont compromis l'avenir du pays. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des enfants qui seraient aujourd'hui des grands sportifs étaient exploités comme tueurs et cibles dans les conflits armés. Quand on spolie les terrains de jeu, on déchire les familles, on menace les vies, on viole les filles, la jeunesse est exposée de plein fouet aux difficultés. Face à une nation qui n'investit presque pas sur sa jeunesse, mais qui compte précisément sur elle pour le futur, cette jeunesse négligée prend en main sa propre vie en exerçant les petits travaux. Pour de nombreux enfants affectés par la guerre, des programmes en art, football, basket et autres sports offrent autant de diversion que de camaraderie, élargissent l'horizon et encouragent de nouveaux talents. Pour certains, ce sont les seuls points de chute qui leur permettent de rencontrer les autres, de devenir utiles, de gagner leur vie et aussi de se sentir à nouveau entier. Dans ce premier épisode, nous allons revenir sur les problèmes du football RD congolais et plus particulièrement de l'ex-Grand Kivu pour une prise de conscience des difficultés rencontrées afin de sauver les jeunes talentueux. Plusieurs pays dont l'Espagne, la France, l'Égypte, le Brésil, l'Argentine, et plusieurs autres ont compris que le football ne peut atteindre les hauts niveaux sans une bonne formation à la base. Ils ont ainsi contribué à l'évolution du football moderne. Leur club joue le premier rôle au niveau des compétitions internationales. Une pareille situation explique aujourd'hui les bas niveaux de clubs de l'Est de la République démocratique du Congo. Notre football de base acquise un très grand retard par rapport aux autres villes de la RDC. Nous sommes presque tous d'accord que le football de base est le principal levier pour amener notre football au plus haut niveau. À Bukavu comme à Goma, il n'y a pas de véritables écoles de football, même si certaines personnes, sans véritable soutien, ont ouvert certaines écoles de football de fortune. Sans le football d'âge, le football ne peut pas avancer dans un pays. C'est pour cette raison, à un moment donné, dans la ville de Bukavu, j'ai vu que les grandes équipes, toutes les grandes équipes, si je parle des grandes équipes, je vois Bukavu Dawa, je vois Muungano, et à l'époque, Bande Rouge. Tous ces grandes équipes importaient des joueurs dans d'autres provinces. Ça m'a révolté parce que le talent sont à Bukavu. C'est pour cette raison que je me suis décidé de créer une école de foot. Et j'ai été appuyé à cette époque parce que j'étais entraîneur de l'OC Bukavu Dawa. J'ai été appuyé par l'idée du président Masonga, Ladislas, qui m'a demandé d'écarter tous les joueurs mariés qui étaient dans Bukavu Dawa et de faire appel à la jeunesse. Moi aussi, j'ai vu que je peux faire quelque chose avec la jeunesse. C'est pour cette raison que j'ai créé l'école de foot. Et cette école est en train de donner de très bons éléments au niveau du stade de la Concorde, ainsi que dans le pays et à l'extérieur du pays. C'est pour cette raison que j'ai créé cette école pour qu'on ne puisse pas
aller chercher les éléments ailleurs, hors Bukavu, on a des talents. Et le football, c'est le football d'âge qui fait avancer le football dans un pays. Depuis quand j'ai abandonné à jouer au football dans l'AS Kabacha ici à Goma, je me suis dit, moi, il faudrait que je me donne aussi à encadrer la jeunesse. Et j'avais ce goût-là par rapport à un frère qui était notre professeur, frère Charles. Et vraiment, il m'a beaucoup inspiré. Il y a frère Josephat aussi, qui a eu même les ballons d'argent en Belgique. Il fit notre professeur. Il m'aimait beaucoup quand je jouais au football. Alors avec ces deux professeurs, j'avais le goût aussi de devenir coach. Depuis que je suis entraîné, je ne vois pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent dans la jeunesse. Sauf qu'il y a des gens qui veulent investir dans les clubs. Mais dans la jeunesse, pour avoir la base du football, en tout cas, il n'y en a pas. Je dirais seulement que quand j'étais à Bukavu, puisque j'ai entraîné même Bukavu à Bukavu, mon collègue qui m'a donné encore le goût d'encadrer, c'était Dido, le coach Dido. Il existe depuis le 20 février 2004. L'idée m'est venue quand j'entraînais les Bukavu, j'entraînais les Virung, DC Virung et DC AS Kabacha. Je me suis dit un jour, est-ce que si je me donne seulement à faire encadrer les jeunes à partir du bas âge pour leur donner les fondamentaux du football, je pense que nous pouvons avoir des joueurs qui jouent très bien, parce que un jeune sans fondamentaux, en tout cas, il ne peut pas s'exprimer. Des enfants ici, nous avons les poussins, les petits poussins, 4, 5, 6, 7, 8 ans. De l'autre côté, comme vous avez vu, il y a les filles, il y a les foot des 13, 14, 15, 17. On commence à les encadrer en leur expliquant les règlements, les respects mutuels. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, après, ce sont les autres qui vont les prendre dans les grandes équipes, espérons. Les arbitres, nous avons aussi l'école d'arbitrage. Et plusieurs arbitres aujourd'hui sifflent au stade ici à Kadutu, aussi au niveau de Kinshasa, de Lubumbashi. Ils sont devenus des arbitres nationaux. Certains sont aussi élites et certains d'autres qui attendent de devenir internationaux. On commence toujours ici dans notre petit centre et après ils continuent au niveau du stade. Et après c'est la FECOFA qui va les faire grandir. Ils ont entre 5 et 18 ans et rêvent de devenir le prochain champion du football. Ils ont commencé à s'entraîner très jeunes, parfois dès l'âge de 2 ans. Ces enfants sont prêts à faire des sacrifices pour atteindre le plus haut niveau. Mais leur parcours ne s'annonce pas si facile, vu le manque de travail et de vrais investissements. Dans le passé, proche ou lointain, les équipes d'ici et Nord Kivu avaient des effectifs à 80 ou 90% local et elles avaient des bons résultats. Mais aujourd'hui, avec 80% des joueurs mercenaires, nous avons du mal à reconnaître Virunga, Kabacha, Mungano ou encore Bukavu Dawa. Contrairement à l'engouement populaire qu'il y avait dans les passés autour de notre football, grâce aux exploits de nos étoiles locales, on note aujourd'hui un désintéressement du public vis-à-vis de nos clubs et le faible résultat de ces derniers n'y est pas étranger. Même le derby Bukavu-Dawa contre Mungano et Virunga contre Kabacha ne font plus le grand plan des stades de Kadutu et de l'unité de Goma. Cette situation suscite beaucoup de réflexions sur notre football local, plus particulièrement sur la qualité de nos talents locaux. Oui, le désintéressement du foot par plusieurs fans aujourd'hui en province du Sud Kivu, c'est à plusieurs niveaux. Je peux prendre deux niveaux, au niveau des pratiquants et au niveau de ceux qui regardent. De part et d'autre, c'est le manque de plaisir. Vous savez que le sport, c'est le loisir. Et le loisir, c'est comme je disais là, c'est ce plaisir-là, ce goût de voir le beau et la qualité. Et ce manque de plaisir vient d'où?
il vient du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens financiers qui sont distribués par-ci, par-là, à travers la population. Et dès qu'il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas de bons stats. Dès qu'il n'y a pas de bons stats, les gens n'ont pas le goût d'aller regarder les sports, d'aller regarder le football, le basket, le karaté, le volleyball, etc. Auparavant, parce qu'il avait assez de moyens, il y avait donc du goût. Et le goût se faisait remarquer du fait que l'organisation était au niveau des Chirica d'abord, au niveau des quartiers, au niveau des écoles, au niveau des universités. Mais aujourd'hui, partout, vous allez constater qu'il n'y a plus d'organisation sportive. Le fait qu'il n'y a pas de moyens financiers, ces moyens financiers perdent le plaisir, ils perdent le goût. On réfléchit plus comment trouver de quoi mettre sous la dent la soirée et on oublie d'aller s'égayer. C'est cette joie-là qui manque aujourd'hui, qui fait qu'on n'a plus du goût par-ci par-là dans le domaine sportif. Nous sommes sans ignorer que le football a subi de profondes révolutions. Dans le passé, les footballeurs n'avaient besoin d'aucune préparation spécifique pour devenir grands. Mais aujourd'hui, le football de haut niveau exige une véritable formation. Le joueur actuel doit être physiquement, moralement, techniquement et tactiquement bien armé. Ces exigences physiques et physiologiques et psychologiques se sont accrues avec le passage du football du loisir au business. Aujourd'hui, le football est une vraie école de la vie où l'homme se découvre, se développe, se forme et s'humanise chaque jour. Dans cette école qu'est le football, la tricherie et l'hypocrisie sont bâties en brèche. Pourtant, c'est la religion dans les groupes armés. Dans certaines écoles, plusieurs valeurs ont encore un vrai sens dans ce monde pourri. Et cette école, c'est le football. Nous avons besoin de promouvoir le football dans l'est de la République démocratique du Congo depuis la base et cette promotion ne peut être réalisée qu'à travers nos talents locaux et les écoles de football. Certaines personnes de bonne volonté se lancent dans l'encadrement de la jeunesse juste par amour. Aujourd'hui, le DC Virunga était en train de mourir quand on a eu le souci de dire c'est cette équipe qui nous a bercé quand on était tout petit. Ça fait partie des patrimoines de la ville de Goma. Et je pris la responsabilité de récupérer l'équipe. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré d'abord les équipements de mon équipe. Beaucoup, c'est pas beau de vidéos, de matériel, des ballons, de bottines, bientôt de varèses arrivent. Mais aussi, pas seulement le matériel, j'ai voulu donner à notre staff technique, à notre staff technique, une autre vie, une deuxième vie. Et on a renforcé le coaching. Aujourd'hui, on est en train de recruter un nouveau coach, un des grands coachs professionnels de la région, M. Jean-Didier Paloukou. Et puis, j'ai instauré le système de payer chaque mois les salaires de mes joueurs. Donc, chaque mois, chaque joueur sait que même si c'est pas beaucoup, mais il a son salaire pour le permettre de vivre dans des conditions psychologiques normales. On dit toujours aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, mais lourd, bon, peut-être, mais moi, c'est une équipe, c'est une équipe de Goma, c'est pour les enfants de Goma, je m'investis juste pour donner le bonheur à Goma. Il n'est jamais trop cher pour faire plaisir à ses parents, à ses grands frères, à ses petits frères, à ses aînés. On essaie un peu de faire avec les moyens de bord. C'est énormément d'argent, si je vous dis le budget de l'équipe aujourd'hui, pour la saison prochaine. Donc dans 8 mois, je dois mobiliser 100 000 $ pour l'équipe. C'est beaucoup d'argent à attendre, mais c'est quand même un sourire, c'est une réponse thérapeutique, psychologique à des problèmes de Goma, des stress des gens de Goma.
ce n'est pas beaucoup, surtout que c'est des jeunes gens qui sont comme moi, nous sommes nés, avons grandi dans cette ville. On essaie un peu de dire qu'il y a une autre génération des enfants de Goma qui ont le sens des partages, de distribuer les paix qu'ils ont avec d'autres personnes, afin que nous puissions avoir des moments de bonheur ensemble. Notre vision, c'est de voir comment faire quand même, qu'on voit quand même l'équipe, qu'on voit des talents, et ça va venir après. Ça, on n'y pense même pas. On n'y pense même pas pour la vente des joueurs. On veut seulement faire quelque chose de plus professionnel. On veut faire quelque chose, on va commencer un débit solide pour voir comment aller plus loin. C'est ça notre objectif. Une âme saine dans un corps sain. Et nous avons estimé qu'il fallait protéger notre jeunesse, qu'il fallait maintenir notre jeunesse en forme, physiquement en forme, pour la préparer à d'autres activités de la vie sociale, culturelle, économique. Et c'est ainsi que, depuis 1980, personnellement, je me suis investi dans le sport. Moi-même, étant trop jeune à l'époque, j'ai eu à encadrer des jeunes qui travaillaient dans les plantations en territoire de Walungu, les plantations Gombo. Et moi, j'ai estimé qu'il fallait leur offrir un espace de formation. Je suis allé ressusciter une équipe de football créée par mes grands-parents, dénommée Saint-Éloi. Et c'est une équipe qui était totalement abandonnée. J'ai eu l'avantage d'encadrer des jeunes du quartier, des jeunes du village, auxquels se sont joints d'autres jeunes venus même de la ville. Et l'équipe de football dénommée Saint-Éloi aujourd'hui est arrivée à se produire au niveau provincial. Donc elle a gravi l'échelon local en très peu de temps, en une année, et au cours de la saison sportive écoulée, l'équipe a terminé sa course au quart de finale de la Ligue provinciale de football. Donc cette jeunesse aujourd'hui bénéficie de cet encadrement et il y a des personnes de bonne volonté qui viennent en appui en termes matériels, en termes logistiques. Là, c'est aussi nécessaire à souligner. Je suis vraiment amoureux du sport. C'est pour cela même, vous voyez, vous verrez qu'il y a beaucoup de mes structures qui cadrent avec les sports, notamment la Copa Bongania, qui est un championnat de football ici au niveau de Goma, mais qui collabore avec des grands de football. Savoir aimer, c'est savoir donner. Savoir donner sans rien attendre de retour. Et c'est ça, moi. Parce que si tu attends quelque chose de retour, tu seras peut-être déçu un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont dessus des gens comme ça. Je fais ça juste par amour que j'ai et je donne le meilleur de moi et sans rien attendre de retour. Je sais que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mais aussi, c'est de l'énergie que Dieu m'a donnée. Pourquoi le laisser dans moi, pourtant je peux le distribuer, le partager avec les autres. C'est pour cela que je me dis, je le fais, Kazimbele, et ça m'aide à faire du sport, ça m'aide à me déstresser et tout ça. Je sais que pour un jeune de mon âge, c'est bizarre aux yeux déjà de voir qu'un jeune de mon âge est en train de suivre d'autres jeunes et soutenir d'autres jeunes comme je le fais. Mais je me réduis à tous ces gens qu'il n'y a pas l'âge pour aider. Il n'y a pas l'âge pour aider, il n'y a pas l'âge pour aimer, il n'y a pas l'âge. Donc je pense que tout le moment, tout âge est bien pour poser un geste. Pour moi, l'encadrement de la jeunesse marche de pair avec les Congos de demain. Puisque si on veut avoir un Congo prospère, un Congo qui a une couleur d'un développement, nous devons investir dans la jeunesse et le faire sans espérer le retour. Donc nous le faisons pour changer l'image de notre pays de demain et il ne faut pas le faire pour des fins politiciennes ou pour des raisons électorales. Non. Nous le faisons pour le développement de notre pays et ça c'est une preuve de l'amour que nous avons envers notre pays. Je pense que c'est dans ce sens que je suis
en train de me battre pour le peu de moyens que j'ai, essayer de partager avec la jeunesse pour leur changement et leur transformation. Si hier, le Jano, Maya, Dodos, Kidumu, Ndoumé, Chichi, Kakoko, Kachongo ont réussi, pourquoi pas aujourd'hui, nos talents d'or, Raoul, Baruti Toto, Séraphin Mogaruka, Sankiero Lunanga, Kronton Chombo, Yannick Balungwe, Tonto Masoudi, Modekereza Machumu et autres, faisons confiance à nos talents. La première des choses, c'était d'abord l'amour. L'amour du métier. Nous avons des jeunes qui ils se donnent au football et ils n'ont pas d'ambition. Pour le moment, le métier qui paye beaucoup, c'est le métier de footballeur. Et ils font semblant de s'intéresser au football, mais ils n'ont pas de vision. Ils ne voient pas plus loin. Moi, j'ai envie à ce que ces jeunes talents puissent se développer, leur donner l'exemple que nous sommes, de nous suivre peut-être. Le football, c'est avec les moyens. Avec les moyens, tout va ensemble. Et puis, notre jeunesse à l'époque ne demandait pas trop d'argent. Et pour le moment, vous avez les enfants. N'importe quel enfant, il commence à avoir seulement besoin d'avoir l'argent. Or, le football, c'est d'abord la volonté, le courage, bien travailler. Avec ça, vous allez réussir. Le penseur français Sylvain Guémont a écrit que l'estime de soi, c'est une valeur qu'on s'attribue. Cette estime vient d'abord de nos parents. Si nos parents nous disent « Vas-y, tu es capable, nous allons avoir confiance en nous. » C'est ainsi que notre estime de soi s'est construite. Mais si nos parents nous disent « Tu ne seras pas capable de réussir », notre estime va demeurer très faible. Il faut donc rechercher ceux qui croient en nous, en nos capacités et en nos projets. Viens, viens, là c'est bon, c'est ça. Est-ce qu'investir dans la jeunesse paie? Ça verrait payant. Investir dans la jeunesse, ça paye. Parce que moi qui vous parle, coach Dido, je suis un monument vivant. Parce que dans toutes les provinces de notre pays, si j'y arrive, je rencontre toujours un enfant de l'école de foot qui est mieux placé. Ça me paie, ça me donne de l'honneur, ça me donne de la fierté. Ça fait 20 ans que je me sacrifie pour la jeunesse et je vous dis sincèrement que je suis fier de ça et j'ai l'espoir que à un moment donné, je vais acheter des buildings parce que la lueur d'espoir commence à venir, commence à tomber. Ce n'est pas n'importe qui investit dans la jeunesse, c'est parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Et beaucoup d'hommes d'affaires cherchent le bénéfice immédiat. Tandis qu'encadrer la jeunesse, c'est éviter que nous puissions avoir dans la province du Sud Kivu de bombes à retardement. Ce n'est pas payant. Normalement, vous savez qu'ici, dans notre pays, donc au Congo, je voulais faire vraiment que ça soit payant, mais avec les parents qui n'ont rien, il y a des talents dans la jeunesse et que, dont les parents n'ont pas les moyens. C'est ça les problèmes que nous rencontrons. Payer, c'est peut-être vrai, mais dans la vie qui ne risque rien à rien. Nous devons apprendre
à aller vers nos cœurs. Ce que nos cœurs nous demandent de faire, ce serait peut-être ça le plus important. La grande passion que les gens puissent avoir dans la vie, c'est le grand bonheur, c'est de faire sa passion. Si quelqu'un a une vocation pour faire le football, il peut y aller. On ne sait jamais. Il y en a qui sont venus des villages des Bambara ou je ne sais pas où, qui jouent aujourd'hui dans Arsenal. Il y en a qui sont venus de même les Nord Kivu ici, on a vu à l'époque des aînés, des Papi Kawembe et consorts, c'est devenu des grands joueurs à partir de Goma. C'est cet esprit-là que nous devons pérenniser et nous battre pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Chaque jour compte, donc il faut pas désespérer. C'est échouer déjà, baisser les bras, c'est là même la définition d'échouer. Tant qu'on est dans les combats, il faut espérer qu'un jour, il y a des choses qui vont marcher. Je peux considérer que ça paye, en ce sens que les jeunes que nous formons sont utiles à la société, sont parmi eux, et il y en a évidemment qui émargent, il y en a qui se distinguent et qui contribuent tant soit peu au développement de notre société. Bon, payer peut-être en termes pécuniaires, il faut soi-même plutôt se dépenser. Moi personnellement, je sais que c'est un sacrifice, c'est beaucoup plus du bénévolat, c'est le surplus de mon revenu que moi j'investis dans ce genre d'activité. Je n'attends pas en termes pécuniaires en retour un bénéfice financier. Plutôt, mon bénéfice c'est de voir cette jeunesse à laquelle j'apporte ma petite expertise, mon expérience, puisse être aussi utile pour notre pays, notre communauté. Investir dans la jeunesse, si tu veux voir le présent, je dirais que ça, tu penseras que ça ne paye pas. Mais ça paye par rapport à ce que tu fais pour ton pays, pour ton continent, pour le monde. Donc ça veut dire que quand tu investis dans la jeunesse, tu investis dans l'avenir. Et donc tu contribues, c'est une pierre de contribution que je suis en train de mettre pour un monde meilleur de demain, quoi. Donc demain je me verrai peut-être vieux et mes enfants seront fiers de voir que papa a contribué, que nous sommes en train de vivre ces jours meilleurs parce qu'il a investi dans beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui la vie est belle parce que ces jeunes se sont sortis dans beaucoup de trucs, parce que c'est pas seulement les sportifs que je soutiens, il y a aussi les musiciens, il y a tout ça. Donc c'est ça, quoi. Mais dans le sport, j'ai cette grande structure de la Copa Bongania, qui est un tournoi de football respecté ici. Je n'ai pas besoin que, personnellement comme individu, je reçoive des dividendes, non. J'aimerais que le pays en bénéficie. Donc ces paiements-là, que ce soit le bénéfice que le pays ou la province peut avoir comme retombée de ce que nous allons faire. Mais je n'ai pas besoin que, quand j'investis, que je puisse avoir. Ce n'est pas le business des gagnants-gagnants. Je n'y ai pas vraiment besoin. Mais j'ai besoin que les jeunes qui sont encadrés puissent penser à la province, au pays. Car leur travail et la fierté de ce qu'ils vont nous amener comme rendement, c'est ça le paiement chez moi. C'est cette fierté-là dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de monnaie pour qu'on me paye. J'ai fait étudier beaucoup d'enfants, surtout des filles, dans beaucoup d'écoles, même chez nous et ailleurs. Et je n'ai pas besoin que ces enfants me paient quelque chose. J'ai besoin qu'ils émergent. Et un jour, dès qu'ils seront des responsables, ça sera une grande fierté pour moi de dire je n'ai pas perdu mon argent sur la rue, mais j'ai investi dans l'homme qui devient utile aujourd'hui pour la province, pour notre territoire, mais aussi pour notre pays. Le football exige le sacrifice, chers joueurs. Bière, femme et autres distractions, c'est après la carrière. Chers dirigeants, vous aviez tenté plusieurs fois, mais les joueurs moyens, venant d'ailleurs, n'ont rien amené de spécial. Formez vos propres joueurs, les clubs enchaînent des faux pas et nous perdons cette ferveur qu'il y avait autour de nos clubs, car nos propres fils ne se retrouvent plus dans le club.
celui qui veut faire un bon élevage cherche des poussins. Quelques règles s'imposent, notamment ces quatre critères: le confort, la chaleur, l'eau et la nourriture. Mais celui qui veut manger la viande doit acheter une vieille poule. Et là, il doit s'assurer que la poule ne porte pas la grippe aviaire. C'est très clair que plusieurs mercenaires qui sont dans nos clubs ne font plus pleurer que rire. Et un proverbe africain dit : celui qui est pressé d'avoir un enfant finit par épouser une femme enceinte.